Mariée au premier regard, Sonia explique pourquoi elle a voulu rester avec Maxime. Au micro de Télé Loisirs, Sonia, candidate de Mariée au premier regard, a indiqué pourquoi elle avait voulu rester avec Maxime. Les fans de Mariée au premier regard étaient sans doute ravis en découvrant le dernier épisode. Sonia, candidate très appréciée du programme, a été entendue par Maxime, son mari. En effet, les deux ont décidé de rester ensemble après le tournage. La jeune femme était très étonnée de la décision de son homme. Notamment parce que ce dernier avait fait part de sa déception la première fois qu'il l'a rencontrée. Mais les deux ont bel et bien fini l'aventure à deux, comme l'a fait savoir Sonia au micro de Télé Loisirs. Je voulais me remettre en question et ne pas le presser, le laisser venir de lui-même. Je me disais que les caméras le gênaient. On n'en voit pas tout bouler du jour au lendemain, j'étais dans l'optique réfléchie, j'espérais que Maxime se dévoile. Mariée au premier regard, une histoire très courte. Mais la joie était de courte durée. En effet, plusieurs mois après la fin de Mariée au premier regard, les deux se sont séparés. Sonia a voulu rassurer tous ses fans. Les deux ne se sont pas disputés et il n'y a pas eu d'infidélité. En revanche, la jeune femme a senti que Maxime était éteint. C'est pour cette raison que la candidate de Mariée au premier regard et son homme ont décidé de se quitter. J'étais surprise et ravie de sa décision. Je ne m'y attendais pas du tout. Il a verbalisé des choses adorables à mon égard avec les experts. Avec Maxime, on a continué à se voir quelques fois chez moi, mais je voyais un Maxime éteint, et je voyais qu'il n'avait plus trop envie de se forcer. Ça s'est arrêté comme ça. Mais on est resté en contact. Je ne sais pas trop où il en est de son côté, je ne veux pas être intrusive. Moi, j'ai pris en compte les remarques des experts, ça m'aide à avancer. Dans un entretien pour Télé Loisirs, Sonia, candidate de Mariée au premier regard, a indiqué si elle était en couple aujourd'hui. La troisième saison de Mariée au premier regard a pris fin il y a quelques heures. Hormis Vivien et Charline, aucun couple n'est resté ensemble à la fin du tournage. Sonia et Maxime sont, certes, restés ensemble quelques mois après l'émission, mais les deux se sont séparés peu de temps après. Aujourd'hui, où en est la jeune femme sentimentalement parlant? A-t-elle retrouvé chaussure à son pied? Elle a donné la réponse dans un entretien pour Télé Loisirs. Non. J'ai réitéré les mêmes situations qu'avant, à tomber amoureuse des mauvaises personnes, elle rit. Je suis restée en contact avec Marlène, Charline, Florian, Steven, Max et Kevin. Cet été, je suis allée en vacances chez Gatan et il m'arrive de monter à Paris et de voir Claire. Elodie et Nolven, je n'ai plus aucun contact. Elles ont coupé net.
Mariés au premier regard, Sonia et Maxime. Sonia est donc toujours célibataire. Et si certains se demandent pourquoi son histoire avec Maxime n'a pas tenu après Mariés au premier regard, la jeune femme a donné la réponse. Selon elle, son boyfriend était totalement éteint après le tournage. C'est pourquoi, la candidate de Mariés au premier regard, et son mari, ont préféré mettre fin à leur histoire. Toutefois, il ne serait pas en guerre à l'heure actuelle, j'étais surprise et ravie de sa décision. Je ne m'y attendais pas du tout. Il a verbalisé des choses adorables à mon égard avec les experts. Avec Maxime, on a continué à se voir quelques fois chez moi, mais je voyais un Maxime éteint, et je voyais qu'il n'avait plus trop envie de se forcer. Ça s'est arrêté comme ça. Mais on est resté en contact. Je ne sais pas trop où il en est de son côté, je ne veux pas être intrusive. Moi, j'ai pris en compte les remarques des experts, ça m'aide à avancer.